Jesus, where? Alors tous les deux, vous venez de découvrir le pôle espoir au Crêpes de Nancy. C'est quoi les impressions quand on découvre cette maison du football? Je pense que c'est un autre monde. C'est un rêve. C'est la première fois que je viens voir le Crêpes et ça m'a plu déjà au premier coup d'œil. Pour arriver ici à Nancy, oui. C'est quoi les différents rendez-vous qu'il y a eu pour franchir les sélections? Il y avait 2-3 étapes avant de venir ici. 3 étapes. Au début, s'il y en avait moins de 200 joueurs, on n'était qu'à 10 dans un endroit. Et après, de plus en plus, il s'est rajouté de joueurs, de plus en plus, ils ont enlevé. Et de plus en plus, on se rassemblait, les joueurs lorrains, les joueurs alsaciens. Et à la fin, voilà, on se retrouve tous ici sur ce terrain-là. 50 joueurs. Et ça fait, c'est un rêve. Quand on est sur le terrain, on se comprend, on sait ce qu'on fait juste avec les yeux, on se regarde, on sait ce qu'il va faire l'autre. Je sais déjà ce qu'il va faire quand il a la balle. Donc voilà, je ressens ce qu'il ressent souvent. Ouais, c'est vraiment un plaisir d'avoir un jumeau comme mon frère Méli sur le terrain en plus. Et puis il joue très bien, donc c'est vraiment bien. Alors c'est une belle histoire de famille, mais maintenant il faut que tous les deux vous soyez retenus. Ah ouais, là, j'aimerais tellement être retenu. Si je ne suis pas retenu, c'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est un petit échec. C'est un petit échec en fait, c'est l'échec. Pour moi, si on ne se fait pas retenir, parce qu'on n'a pas donné à 100%, c'est pas donné à 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prouve comme quoi, il faut comme quoi on prouve, comme quoi on est des leaders. Comme quoi on est des leaders, il faut qu'on leur montre, il faut qu'on baisse les bras, même dans les moments difficiles. Par exemple, quand on s'est fait éliminer en Coupe nationale départementale, alors qu'on avait une belle équipe. Parce que voilà, on s'est pris le premier but, on a tous baissé les bras. Alors qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours encourager les autres, toujours se donner à fond et voilà. Et si on ne se fait pas retenir, ça sera la vie de M. Robert Fauché. Et voilà, et après ça dépend de nous aussi. Si on se donne à fond, peut-être on aura notre place. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors dans les jours d'attente? Ça va être l'angoisse? Ouais, quand même, la pression. Une petite pression, après il ne faut pas vraiment trop penser à ça. Il faut penser au futur et... Je pense au présent et on va voir vendredi tout de suite ou jeudi, on va voir les réponses et si on est prêt, on sera très content. Justement, qu'est-ce qui va se passer si on vous dit que vous êtes pris? Ah, on va sauter de joie. On va être très content. On sera content parce qu'on va passer en plus, là on a passé juste une journée, là on va dormir dans l'endroit où on va peut-être dormir si on est retenu. Donc ouais, ce sera vraiment un plaisir. Ce sera un bon petit stage physiquement, techniquement. Il y aura de la concurrence à chaque poste, défenseur, milieu de terrain. Donc ce sera vraiment du bon niveau et j'ai hâte de, s'ils me retiennent, d'être le 30 ou le 31, mais j'espère. Et le niveau que vous avez découvert par rapport aux autres joueurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un très bon niveau, je pense. Je m'attendais pas à ce niveau. Il y a vraiment des très bons joueurs. Bien sûr, ça existe. Il y en a peut-être quelques-uns au-dessus. Il y en a moins bons, mais je pense que le niveau, il est vraiment équitable. C'est un très très bon niveau, je trouve. Bon, ma part, bien sûr. Eh bien, on va croiser les doigts avec vous alors. Ah oui, j'espère. Bon courage et puis merci. Bon retour. Merci. Salut.